Vous avez besoin de sécurité? Et oui, je vous avais déjà présenté cette marque, la marque Reolink. L'été arrive, vous allez partir en vacances. Et les amis, je peux vous dire que je viens de recevoir la toute dernière caméra de sécurité, la caméra de surveillance de chez Reolink, l'Argus 4 Pro. La sécurité, lorsqu'on part de chez soi, est vraiment très importante. Regardez ici, ce package, il est assez conséquent. On va parler du dernier né de chez Reolink, l'Argus 4 Pro, 180 degrés de surveillance, c'est que du bonheur, en 4K Ultra HD, vision de nuit, donc vision nocturne en couleur, et oui, attention, et je peux vous dire qu'il y a quand même du lourd avec cette petite caméra. Je vous propose de déballer le package complet et de voir ensemble ce que contient cette boîte. Vous allez voir que chez Reolink, c'est toujours du ultra premium. Sur le dessus, on va avoir donc un petit cartonnage avec à l'intérieur l'intégralité des notices, tout simplement, avec les gabarits. Les manuels, bien sûr, seront en français, en anglais, en espagnol, toutes les langues, donc vous pouvez faire confiance. Et comme vous pouvez voir, la loi oblige, vous avez des petites étiquettes autocollantes pour dire que votre maison est surveillée par une caméra de surveillance Reolink. Avec ces lois, on est obligé de prévenir les gens comme quoi on les filme et on n'a plus le droit de filmer des personnes à leur insu. Ça peut coûter cher, attention. Alors, on continue le déballage. On a un panneau solaire parce que oui, cette caméra chez Reolink, la plupart de leurs caméras tournent avec leur panneau solaire. Celui-ci fait 6 watts, donc un gros panneau solaire avec une connectique de type USB-C. Et comme vous pouvez voir, il y a quand même pas mal de câbles, hein, et je crois qu'il y a à peu près 5 mètres de câbles. Vous allez aller pouvoir accrocher le panneau solaire assez loin de votre caméra pour qu'elle puisse charger sans aucun problème. Comme d'habitude, on va retrouver le pied pour aller donc la visser soit sur un mur, une porte en bois, soit sous les gouttières. Avec, on va retrouver une petite sangle. Si vous voulez éviter de percer, de trouer un mur, on retrouvera toute la visserie, tout simplement, avec les chevilles. Un petit gabarit. Vous voyez, il y a quand même pas mal de choses dans le package. On va continuer le déballage et on va enlever au fond de la boîte l'Argus 4 Pro. Regardez cette caméra sur le devant. On enlève les protections. Tout autour, voilà. Alors regardez-moi cette caméra qui a une tête de E.T., une tête d'extraterrestre. Elle a deux objectifs. Elle enregistre, attention, en 4K Ultra HD. Et ces deux objectifs vont permettre de prendre un angle de 180 degrés, ce qui est vraiment énorme. Vous allez voir tout à l'heure dans les vidéos. On a un petit pied où on ira la visser et elle pourra donc regarder. Alors, ce n'est pas une caméra motorisée. On ne pourra pas la tourner comme on veut à partir de l'application. Et pour terminer, à l'intérieur, on va retrouver un autre carton avec d'autres objets, toujours de la visserie. On retrouvera un câble de rechargement de type USB-C vers USB-A. Cette caméra est sur batterie. On retrouvera une autre sangle. On retrouvera un autre support si vous voulez tout simplement la poser sur un meuble, par exemple, au lieu d'aller la visser sur un mur. Voilà tout ce qu'on va trouver dans le package. On montre comment on va appairer cette caméra de surveillance, comment on va l'utiliser. Et vous allez voir que les images, aussi bien de jour que de nuit, sont assez impressionnantes. Si vous aimez ce genre de vidéo, n'hésitez pas donc à vous abonner, puisque on va maintenant passer directement à l'appairage de la caméra directement sur notre iPhone, car comme vous savez, ces caméras sont compatibles iOS et Android. Donc il n'y a aucun problème, vous pouvez les utiliser sans aucun souci sur votre iPhone comme sur un smartphone Android avec l'application Reolink. Allez, c'est parti, je vous montre tout de suite comment aller appairer cette caméra. Allez, on y va! Bienvenue à Reolink. Veuillez installer l'application Reolink et scanner le code QR sur la caméra.
Comme vous venez de l'entendre, au premier démarrage, la caméra vous parle et vous indique comment appairer la caméra. Ça, c'est plutôt un très bon point. Voilà donc, avant toute chose, vous vous dirigez sur l'App Store ou sur le Play Store et vous téléchargez l'application Reolink, R-E-O-L-I-N-K. Une fois l'application chargée, vous allez créer un compte avec une adresse mail et un mot de passe valide pour jumeler votre Argus 4 Pro. Alors comme vous pouvez voir, cette caméra est vraiment très spéciale, elle voit à 180 degrés, elle a donc une caméra ici, une caméra de chaque côté, et au centre, vous avez donc un spot qui s'éclairera la nuit pour une meilleure visualisation. Cette caméra donc a un haut-parleur, puisque avec celle-ci, vous allez pouvoir discuter avec votre interlocuteur. Il y aura donc une possibilité de mettre une sonnerie, une alarme. Pour avoir accès aux différents éléments, vous avez ici dessous la caméra, un petit clapet à ouvrir. C'est pour ça, pensez bien à la mettre en hauteur, sinon les voleurs n'auront pas de problème pour vous prendre ou la caméra ou la carte micro SD que vous pourrez mettre à l'intérieur. Donc à l'intérieur, quand vous soulevez ce petit clapet, vous avez donc la possibilité de mettre une carte micro SD allant jusqu'à 128 Go, donc c'est quand même conséquent. Vous avez le petit bouton marche arrêt et le bouton reset si vous avez besoin de resetter la caméra. Lorsqu'on l'allume, on fait un appui de quelques secondes sur ce bouton et la caméra s'allume. Bienvenue à Reolink. Vous n'avez plus qu'à lancer l'application et à scanner un code QR qui se trouve juste derrière la caméra, ce qu'on va faire tout de suite. Alors l'application en général est vraiment très accessible. Vous arrivez donc sur cette page, une fois que vous avez créé votre compte et votre mot de passe, vous arrivez sur cette page, on va aller complètement en haut à droite sur le petit bouton plus. Bouton avertissement, Roland souhaite accéder à la caméra. Bon, on vous demande d'accéder à la caméra, vous allez autoriser bien sûr. Please allow me, ne pas autoriser, autoriser, bouton. Roland, bouton, retour. Et maintenant, on vous demande de scanner le code QR, ce qu'on va faire tout de suite. Je prends la caméra, je mets derrière. Bouton ciel nocturne. La caméra a tout de suite été reconnue grâce au code QR. Sélectionnez votre connexion pour configurer Wi-Fi via Bluetooth. Vous devez configurer les paramètres Wi-Fi pour les appareils nouvellement ajoutés ou réinitialisés. Donc tout simplement, vous mettez votre code Wi-Fi, votre mot de passe de votre Livebox, de votre box en général. Wi-Fi déjà configuré. Vous avez donc un tutoriel qui vous indique comment allumer la caméra, donc je vous l'ai montré dernièrement. Maintenez enfoncé le bouton d'alimentation de l'appareil pendant 3 secondes pour allumer l'appareil. Suivant, bouton, bouton, ciel, bouton, bouton, réinitialiser le dispositif. Appuyez 3 fois sur le bouton d'alimentation et attendez l'invite vocale. Bouton, coche. Sélectionnez, j'ai entendu le message vocal diffusé sur l'appareil. Suivant, bouton, bouton, ciel, avertissement. Autorisez Relink à rechercher les appareils Bluetooth. Alarms Relink Tweet Plan. Oumpo 2, Airpo Pro 2, plus de 5, les informations ne pas autorisées, autorisées, bouton. Donc on autorise. Alors, il faut savoir que cette Reolink Argus 4 Pro accepte le Wi-Fi 6 et c'est la première caméra de surveillance à accepter le Wi-Fi 6. On va tout de suite entrer nos coordonnées à partir de cette fenêtre. Comme vous pouvez voir, donc l'application est vraiment très accessible. On a des possibilités vraiment avec VoiceOver et TalkBack pour configurer les caméras Reolink. Très simplement. Donc ici, on vous demande de renommer l'appareil. Nommer l'appareil. Argus 4 Pro. Champ de texte. Moi ici, je vais laisser avec Argus 4 Pro. Bouton extérieur. Suivant. Bouton ciel. Veuillez noter que les caméras à batterie ne sont pas conçues pour un enregistrement continu 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Pour réduire, la caméra détecte les événements. La caméra doit éviter. Suivant. Bouton initialisation terminée. Comme vous avez pu voir, en quelques minutes, j'ai pu paramétrer ma caméra avec VoiceOver sans aucun problème. Pour plus d'initialisation terminée. Voilà donc l'avantage avec cette Reolink Argus 4 Pro, il y a quand même ici vous pouvez voir énormément de paramètres. Paramètres Argus 4 Pro. Argus 4 Pro. Batterie 25%. Wi-Fi. Livebox 4e. Affiché. Audio. Lumière. Paramètres pour alarme. Configuration PIR. Alerte de détection. Enregistrement de caméra. Paramètres de notification. Notification push. Alerte de courriel, FTP, fermé, sirène, fermé, plus, en tête, partager caméra, timelapse, avancer, déconnexion de l'appareil, supprimer, bouton. Voilà, j'ai fait un peu exprès de vous faire entendre tout ce qui se passe avec le voice-over, et comme vous avez pu voir, c'est vraiment
très accessible. Donc je vous montre un petit peu ce que la caméra voit en temps réel, de jour comme de nuit, et je vous mettrai bien sûr tous les liens en description. Et je peux vous dire que cette caméra, elle va trôner derrière mon terrain, puisque dans très peu de temps, ça va être les vacances, elle va être la caméra essentielle de surveillance. Surtout, pensez bien à la mettre en hauteur pour éviter de vous la faire voler ou qu'on vous prenne la carte micro SD, etc. Allez, je vous montre comment ça marche, c'est parti. Voilà donc, maintenant, le dispositif est mis en place et on peut surveiller tout simplement sa maison avec la Reolink. Relink, maintenant, Relink, Motion is detected from Argus 4 Pro, critique. Voilà, maintenant, on peut commencer à surveiller sa maison avec la Reolink Argus 4 Pro, puisqu'elle est mise en place. Vous avez vu, ça n'a pas pris énormément de temps. Tout ceci a été très accessible et franchement, aucune difficulté pour faire ça, même en tant que malvoyant. Les possibilités sont vraiment très simples, même à distance, que vous soyez n'importe où dans le monde, eh bien, vous allez être capable de pouvoir tout simplement filmer votre maison, regarder ce qui se passe, recevoir des notifications et même pouvoir... Relink, maintenant, Relink, Motion is detected from Argus 4 Pro, critique. Et même pouvoir recevoir des notifications où que vous soyez. Vous allez même pouvoir avoir un Mac, un PC sous Windows et installer le client Reolink que je vais vous montrer par la suite. Relink. Et vous allez voir, c'est assez sympa. Donc, vous voyez là, dès qu'elle me détecte, tout simplement, eh bien, la caméra m'envoie une notification. Relink, maintenant, Relink, Person is detected from Argus 4 Pro, critique. Elle m'a tout de suite détecté et ça, c'est vraiment super génial. Alors, dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Moi, franchement, j'ai beaucoup de caméras Reolink à la maison. J'ai la première Argus Pro, l'Argus 4 Pro pour un peu moins de 150 €. Vous avez ce genre de caméra qui sera capable de voir pour vous et de vous envoyer des notifications. Cette caméra, bien sûr, peut sonner. Je vais vous montrer un peu comment ça sonne. Dès que la caméra va me voir, tout simplement, instantanément, ça va sonner. Dès que la caméra surprend quelqu'un sur le terrain, eh bien, vous avez l'alarme qui sonne instantanément. Alors, en soi, c'est pas une grosse alarme, mais franchement, ça fait le taf. Et comme vous pouvez entendre, il y a un écho, c'est-à-dire que par rapport à cet écho, je suis sur la caméra. Donc, vous entendez que si quelqu'un parle, vous allez entendre parler la personne directement, où que vous soyez dans le monde, et c'est ça qui est super important. Et ça, c'est vraiment le top. L'Argus 4 Pro, c'est donc la seule caméra qui possède le Wi-Fi 6, donc un Wi-Fi longue portée, ce qui vous permettra d'avoir une surveillance accrue, une sécurité accrue pour votre maison. Voilà donc, une fois sur l'application, si on la met en mode directement paysage, on aura tout de suite la vue globale sur ce que voit la caméra. Et là, c'est plutôt assez sympathique. On pourra même, si on le désire, grossir dans l'image. On pourra appuyer sur le micro. On pourra parler avec notre interlocuteur. On pourra vraiment faire pas mal de choses. On pourra entendre ce que disent les gens. Ça, c'est vraiment super cool. Regardez ici, je grossis tout tranquillement dans la vidéo. Pour voir par exemple des endroits bien précis, je peux zoomer et regarder la qualité. Il n'y a aucune qualité qui est perdue. On est sur du 4K Ultra HD, donc sur un très bon dispositif, une très belle image pour aller en fait zoomer et vérifier ce qui se passe à l'intérieur ou à l'extérieur de chez nous. Vraiment le top de la caméra. Voilà, donc on est pratiquement rendu en pleine nuit. Il est actuellement 21h50 et ce coin-là est vraiment très très sombre. Comme vous pouvez voir, je viens de recevoir une notification. L'Argus 4 Pro vient de me voir. Et là actuellement, sur l'image, vous pouvez me voir bouger. La caméra m'a capté directement et elle est capable de voir où je me trouve. Là, comme vous pouvez voir,
je bouge. Et la caméra est quand même en train de me capter alors qu'elle est vraiment dans le noir. Et vous pouvez voir actuellement que malgré que la caméra soit complètement côté sombre, je vais me mettre, vous allez voir, sur le côté sombre. C'est assez impressionnant, les amis, de voir que la caméra est en train de me filmer et en train de me capter dans cet endroit que vous voyez très sombre. Voilà, donc dites-moi en commentaire si vous utilisez vous-même des caméras de surveillance, des caméras de sécurité. Ici, c'était la Reolink Largus 4 Pro. Merci d'avoir pris du temps sur cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu, n'hésitez pas à la partager. Un gros pouce en l'air, ça fait toujours plaisir. Et puis surtout, dites-moi en commentaire si vous utilisez des caméras de sécurité et quelle solution vous utilisez comme caméra de sécurité, quelle marque, ça m'intéresse vraiment. Peut-être que je pourrais les tester, prendre contact avec la marque et pouvoir tester ces caméras. Je vous souhaite donc de très bonnes vacances, prenez soin de vous, prenez soin de votre maison, mettez un max de sécurité avant de partir en vacances et à bientôt pour une prochaine sur la chaîne Vision High Tech, la chaîne de l'accessibilité pour tous. Salut à tous !